La mort d'Hamza Ben Laden a été confirmée dans un communiqué par Donald Trump ce samedi, après avoir été rapportée fin juillet par des médias américains. Fils d'Oussama Ben Laden, il était également présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda. Dans le communiqué, le président américain explique qu'Hamza Ben Laden a été tué lors d'une opération de contre-terrorisme menée par les États-Unis, sans préciser la date de l'opération. 15e fils d'Oussama Ben Laden, Hamza avait été déchu en mars de sa nationalité saoudienne et figurait sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme.